Joe et Jill Biden ont décoré leur premier sapin de Noël à la Maison Blanche. En effet, comme tous les ans, peu importe le président, la Maison Blanche se pare de ses plus belles lumières et de ses plus belles décorations à l'approche de Noël. Cette année, le nouveau couple présidentiel américain a décidé de jouer l'apaisement alors que l'année a été très mouvementée. Le 29 novembre 2021, les journalistes ont été invités à venir découvrir les nouvelles décorations de la Maison Blanche. S'ils ont eu le bonheur de découvrir une décoration dans un style traditionnel avec du pain d'épices, une belle table et des chaussettes portant le nom des petits-enfants des Biden, ils ont surtout été très surpris de découvrir des photos des anciens pensionnaires de cette célèbre maison. Donald et Melania Trump, mais aussi Barack et Michelle Obama ont le droit d'être encadrés dans le sapin de Noël des Biden. Malgré les nombreux points de désaccord qu'il y a pu avoir et qu'il y a encore entre Joe Biden et Donald Trump, l'actuel couple présidentiel veut apaiser les tensions. Depuis l'arrivée au pouvoir de Joe Biden, ce dernier refuse d'évoquer son prédécesseur et ce dernier continue de clamer qu'il a gagné les élections de 2020 et que la victoire lui a été volée. Jill Biden, la femme de Joe Biden, cesse d'occuper de la décoration de la Maison Blanche comme le veut la tradition, si est-il la First Lady qui a en charge la décoration de Noël de la Maison Blanche. Cette année, si est-il donc Jill Biden qui a proposé la manière de décorer sa nouvelle maison. Ainsi, elle aurait voulu rendre la magie de Noël, alors que lors du précédent mandat, l'épouse de Donald Trump ne semblait pas vraiment être inspirée. Selon certains médias américains, elle aurait lancé « Tout le monde s'en fout de ces trucs de Noël, non ?» Loading Widget.